Bonjour et bienvenue, on continue. On est à 18 heures de jeu. J'ai fait pas mal de changements. J'ai fait quoi? Deux, trois streams dessus maintenant? Non, deux streams, je crois. Mais à chaque fois, c'est 8 heures, honnêtement. Donc, honnêtement, je passe un super bon moment sur le jeu. Exploration, événements aléatoires et tout ça. Donc, c'est super cool. Donc, du coup. Ah oui, il faut passer en QWERTY. Du coup, j'ai eu des nouvelles choses. Donc, on a une deuxième classe, ça y est. Donc vous vous rappelez, en plus la deuxième classe on l'avait trouvée ensemble dans les vidéos solo. Donc c'était la pierre d'alchimie en fait. Où à un moment il y a une créature en fait qui nous a chopé dans une ruelle quand on était dans la première zone. Enfin la première zone. Ça sert à rien de dire les premières, deuxième zones parce que vu que c'est aléatoire pour les gens. L'Ossomne, on était là. On était là et on s'est fait choper par une créature et tout ça. Et du coup, en fait, si on redonne la pierre à la personne qui est de ce côté-là, qui s'occupe des classes, en fait, bah, du coup, ça débloque donc l'alchimiste. Et l'alchimiste est vraiment cool. L'alchimiste est vraiment sympa. Genre, donc il a des trucs pas mal. Genre, par exemple, tous vos dégâts augmentent de 15% et vos chances de coups critiques augmentent. Ça, c'est pas mal. Ça augmente bien sûr avec le niveau. Après, vous avez ça. Les effets curatifs s'appliquent à tous les alliés à moins de 15 mètres. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment sympa aussi. Après, quand vous ramassez des pièces de récupération, vous avez également 15% de chance d'obtenir des munes. Donc, plus de munes, c'est toujours cool. Et après, utiliser une relique vous accorde un bonus aléatoire pendant 30 secondes. Donc, ça aussi, c'est plutôt sympathique. Après, les buffs. Alors, maintenant, moi, j'utilise celui-là. Donc, ça augmente la vitesse de recharge, la vitesse de frappe et tout ça, et le déplacement. Donc, c'est sympathique. Mais celui-là, c'était le premier. Et ça réduit les dégâts de 25% et la déstabilisation de 1. Honnêtement, c'est super utile. C'est super, super utile. Et ce qui est pas mal avec les habilités de l'alchimiste, en fait, c'est qu'on peut les jeter. Vous voyez que j'ai la fiole dans la main. On peut les jeter. Ou alors, on peut les éclater directement à nos pieds. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment deux façons de le faire. Donc, c'est vraiment cool. Maintenant, je tape plus vite. Je recharge plus vite, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment sympathique. C'est vraiment sympathique. Et on a un effet rouge. Donc ouais, j'aime beaucoup l'alchimiste. J'aime vraiment beaucoup l'alchimiste. Je trouve ça super intéressant. Et aussi, si jamais on le met en premier, alors est-ce qu'ils le disent? On a aussi l'augmentation de la durée des consommables. Donc dans les traits. Ouais, les consommables, donc du coup, en fait, pour vous donner un peu une idée, genre ça, normalement, c'est 30 secondes. Là, maintenant, je suis à 51 secondes. Genre, les trucs qui durent 60 minutes, maintenant, on doit être à 70 minutes ou plus, un truc comme ça. Donc, vraiment, c'est super bien aussi pour ça. Et après, on a... Ouais, mais là, ils nous le disent pas. Faudrait que je change de classe, en fait. Enfin, on va renverser. Voilà. Donc, le bonus principal, en tant qu'alchimie, vous pouvez avoir deux bonus de contenu actifs de plus. Oh, putain, mais ça a changé. Avant, c'était un. Maintenant, je peux en avoir deux de plus. Donc, ça ferait trois concoctions. Ah, oh, c'est énorme. Vous savez, les concoctions, ce sont les potions en fait qui durent 60 minutes. Vous savez, genre, c'est des régènes. Et en plus, ils restent en fait, même si on meurt. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment super bien. Donc, là, ça serait trois concoctions. Honnêtement, les trois concoctions, c'est vachement intéressant. Je kiffe l'alchimiste. Honnêtement, je kiffe l'alchimiste. Rien que pour le système en fait des buffs qui restent plus longtemps et tout. J'aime beaucoup en fait dans Salut la jeunesse. la plupart des jeux et tout ça, quand on peut se buffer à mort et tout, je kiffe énormément. Donc voilà, genre là on pourrait en avoir 3 par exemple. Genre l'énergie max, les HP max. Ça c'est la régénération d'énergie. Là on a santé, énergie et déplacement. Là on a de la vitesse de déplacement. L'armure. La charge équipée. Et vous avez vu, ça reste 102 minutes au lieu de 60. Putain, mais ça tue. On est presque à deux fois en fait. C'est énorme. Honnêtement, c'est énorme. Là, on a quoi? La régène de santé, régénération de puissance de mode. Et ça, c'est pour le chien. Donc, ouais. Par contre, c'est méga cher. C'est méga cher en fait de faire tout le temps ça parce que toute façon, c'est tu vas 500 en revenir, fait de hein? pièces. Et j'avoue que moi, au niveau argent, il y a tout qui part très très vite. Donc, ouais, vraiment très très sympa l'alchimiste. Vraiment très très cool. J'aime beaucoup. On va le remettre ça parce que honnêtement, le dur à cuire est vraiment sympa aussi. Enfin, on va pas utiliser de concoction. Donc, du coup, l'atout principal en fait n'est pas utile. Mais ouais, ultra bien, ultra bien. Celui-là.
là celui-là c'est bien, nickel. Et aussi, comme j'ai dit, le fait d'avoir des consommables là, qui durent beaucoup plus longtemps, c'est vachement bien, genre la régène et tout ça. Ah oui, vu qu'on a changé de classe, faut remettre les traits. Du coup, c'est ça, ça. Ouais, c'est ça. Ok. Pour les armes, j'ai récupéré en stream, j'ai récupéré ça. C'était une arme d'un boss. Donc, géante gazeuse, ça fait de la corrosion quand ça tape, c'est très bien. Et après, pour les armes, je suis toujours avec le bulldog, est vraiment cool. Par contre, j'ai augmenté mon... comment ça s'appelle, ça? Les mutagènes au niveau 10. Donc, du coup, les munitions ramassées sont directement ajoutées dans le chargeur de cette arme. Donc, vraiment sympa. Vu qu'il est chiant à recharger, il est long. On a ça qu'à changer. J'ai aussi l'énigme. Donc ça c'était dans le labyrinthe avec le cube, vraiment très puissant aussi, vraiment très utile. Pour les anneaux, je crois que celui qui est nouveau pour moi, que j'utilise, c'est ça. Ça donne un rempart, je crois que, je sais plus si je l'ai récupéré en stream ou pas. Mais ça donne un cumul de rempart, jusqu'à 5 cumuls de rempart pendant 10 secondes, quand on se fait toucher. J'ai énormément d'anneaux, il y a plein d'anneaux dans le jeu. J'ai pas mal de nouvelles amulettes aussi, et là on va utiliser celle-là, donc augmente la quantité de pièces de récupération trouvée de 50%. Ramasse automatiquement les matériaux à proximité. Donc ça c'est cool aussi. Voilà, donc du coup j'ai un peu moins d'habilité. Là j'ai que 2 et 1 en fait. Avant j'avais 4 et 2, c'est vraiment très puissant. Là on en a un peu moins. On va se remettre en mode... hop. Mode aventure, très bien. On est reparti. Donc je sais plus exactement ce qu'on faisait. Ah oui, la cour du palais. Est-ce qu'on peut utiliser le masque qu'on avait trouvé à un moment? Honnêtement, j'aime beaucoup le fait que en stream, j'avance dans l'histoire. Là, en solo, je fais du mode aventure et tout ça. Vraiment fun, en fait, ce système-là. Vraiment cool. C'est pour ça que j'adore ce jeu par rapport à ça. Voilà, très bien. Donc ouais, là, on est techniquement un peu moins puissant à cause de l'amulette. J'ai moins d'habilité et tout ça, donc ça risque d'être un peu plus problématique pour survivre. Le palais, bah c'est ça en fait. Non. Ah non, il faut peut-être plusieurs masques. On dirait qu'il manque ouais. Quelque chose. Il faut plusieurs masques. D'accord, alors fais voir un peu. Ça, c'est le faubourg. Ça, on l'a fait. Ah, attends, il y a une partie là. Il y a une partie qu'on n'a pas faite tout en bas. Ok, on va retourner au palais. Tiens, on va s'amuser au palais. Mais en théorie, on devrait récupérer un peu plus d'argent et tout. C'est cool. C'est vraiment cool. Mais ouais, honnêtement, je voudrais bien balancer. Enfin, il y a trop de choses à augmenter en ce moment. Enfin, c'est le début du jeu encore, techniquement. Il y a les armes à augmenter, il y a les mutagènes à augmenter. Il y a... Rien que déjà, c'est énormément d'argent. Il y a... À chaque fois que je tue un boss, que je récupère quelque chose de nouveau, il faut aussi payer pour récupérer genre le nouveau mode, la nouvelle arme et tout ça. C'est très très cher. Tout est extrêmement cher au final. Ah, on n'est pas allé là. C'est quoi? Ouais, c'est en bas, c'est là. Est-ce qu'on peut passer? Ok, donc ça doit être un raccourci du coup. Donc ouais, c'est un peu la galère, mais si j'avais genre énormément d'argent, où est-ce qu'on peut aller? Là, il y a un passage aussi. D'argent, j'utiliserais énormément de concoctions et de consommables et tout ça. Parce que honnêtement, vous sentez la différence. Vous sentez vraiment la différence. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... Quand on regarde la carte, là, il y a quelque chose en face. Là. Ouais, ok. Ah! Et aussi, en stream, je parlais de... Entre le 1 et le 2. Le 2 a quand même énormément d'événements. Comparé au 1. Le 1, c'était apparemment... Donc, c'était limité à 3. Et après, vous deviez reset, en fait, la zone pour avoir des nouveaux événements. Et je pense que c'est vrai, parce que je me rappelle qu'on devait reset, en fait, la zone assez souvent. Là, non. Là, c'est méga grand, en fait. C'est ultra grand. Il y a plein de trucs à faire tout le temps.
Ça va faire quoi? La troisième heure qu'on est là-dedans? J'ai toujours rien reset du tout, hein. C'est toujours la première aventure que je fais. Hein. C'est abusé. Hein. Est-ce que je la connais? Ouh, c'est quoi tous ces NPC là à gauche? On va voir ce que c'est. Ah, ça je connais pas, j'ai jamais vu autant de NPC à un endroit. Quoi. Ça ramasse automatiquement avec l'amulette, ça tue. C'est quoi? C'est des gens dans la maison, apparemment. Bon, on va continuer un peu. Il y a plein de secrets de tous les côtés. Honnêtement, je kiffe. Si vous aimez un peu l'exploration comme ça, ça rappelle un peu à l'exploration Elden Ring où on est un peu perdu en fait. On est un peu perdu. Parce que là, c'est tellement grand. Donc du coup, c'est super fun. Oh, là, on a du violet. C'est super fun de faire de l'aventure. Vous voyez, il se charge en fait en toxique. Et ce que je peux faire, c'est un truc comme ça. Et hop. Et je mets un nuage de gaz. Par contre, c'est dangereux. Parce que ça peut m'empoisonner aussi. Par contre, une chose qui est vachement sympa par rapport au marteau, comparé à l'épée que j'ai, c'est que là, il n'y a qu'un enchaînement de... Il n'y a qu'un enchaînement de deux coups. Donc en fait, je peux taper plus ou moins à l'infini. Et c'est rapide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quoi ça? On va suivre le gamin. Je connais pas du tout, là je découvre complètement. Ah, il va peut-être rentrer dans la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, là. Ah, ok. Attends. Ah. Arrêtez de me chercher, là, je suis avec des NPC, putain. C'est pas mal, hein, la corrosion. Honnêtement, je kiffe bien ce marteau. Merde. Je voulais pas prendre, il apprend automatiquement. Qu'est-ce que c'est relou. Hein, toujours la précision, hein. Dispersion de l'arme, ça marche vraiment bien, je suis content. Bon, c'est bon. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle bouffe les... Oh putain. C'est bon, je peux... Je détecte un coffre. Non, t'es sérieux? Ouh, 700 en critique, pas mal. C'est bon? Okay. On va prendre le coffre. Dégâts réduits. Oh! Alors, dégâts réduits. Ah, mais j'en avais plein que j'ai pas. Durée des talents, réduction des dégâts, réduction de consommation d'énergie, cadence de tir. C'est pas mal ça. Moi, je suis avec talent, armes et soins pour le moment. Ouais, ça se passe bien.
peux pas leur parler. Ah, si. Ah, elle parle pas. Ok. C'est super kiffant de rencontrer des choses comme ça, des événements et tout ça. Là. On sait pas trop ce qui se passe, faut élucider un peu le mystère. Ouais. Bon, pour l'instant, j'ai pas trop d'idées. Hein. Ah, ça, c'est ce qu'on a. Ce qu'on a fait. C'est ça, c'est peut-être la tisse toile ou je sais plus quoi, là. Je sais plus comment elle s'appelait. Ça, c'est peut-être la créature qui nous a attrapés, qui nous a donné alchimie. Ça, c'est... Ah, le boss avec les bombes, peut-être. La femme, là, dont je parlais. Ça, c'est le prince de feu, je crois, que j'ai tué, déjà. Ah, attends. Elle tisserait pas les choses que j'ai faites, ici? Ah. Ouais, elle tisserait pas les choses que j'ai accomplies, en fait. Parce que ça, ça, c'est tout ça, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est des choses que j'ai fait, des boss que j'ai tués, en fait. Intéressant. Très intéressant. Ok, c'est pas le moment de paniquer. Encore du monde en haut. Après, pour le moment, la masse fait un peu moins de dégâts que mon épée, évidemment. Elle est un peu moins montée de niveau aussi, elle a un peu moins de niveau. Mais évidemment, ça fait moins mal. Mais ouais, non, je l'aime bien. Elle est plus rapide aussi, plus facile à... Ah, qu'est-ce que je kifferais une attaque sautée là avec ma masse. Oh, putain, c'est con qu'on puisse pas tourner la caméra en 360 quand on est sur une échelle. Voir ce qui nous tire dans le dos. Il y a plein de gens par contre. Wow, tout ce qu'il y a. Pas mal. Enfin un peu de répit. Ah merde, mais attends, il n'y avait pas un objet violet. J'ai dit à un moment, tiens, il y a un objet violet, je crois que j'ai complètement zappé. Ah, parce qu'il y a eu le gamin, et puis après, j'ai zappé. Ils sont toujours en train de combattre la créature, on va y aller. Et pour mon deuxième arme, c'est une arme électrique. Ça cible automatiquement les gens et ça se passe d'une personne à l'autre. Extrêmement puissant. Honnêtement, si ça se fait pas nerf, ça va être très très étrange si ça se fait pas nerf. Regardez-moi ça. C'est juste abusé en fait. Donc je serais très 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 surpris que ça soit pas nerf. Regardez ça. Et après le spécial, c'est pas mal aussi. Vous pouvez mettre des... électrocuter les gens comme ça en fait. Hop. Par contre c'est pas très très friendly. Hein. Ça fait mal à moi, ça fait mal aux gens avec moi. Mais là c'est pas mal. C'est vraiment sympa. Moi j'ai mis le ralentissement dessus. Ça. Donc c'est sympa parce que ça... fait
des dégâts en fait, constants. Donc en théorie, ça remet le ralentissement tout le temps. Ah. Je suis en train de me demander si je vais pas aussi augmenter la difficulté. Mais je sais pas si je peux augmenter la difficulté sans relancer en fait une aventure. Ça je sais pas ça. Aussi avec mon marteau, j'ai commencé à augmenter le trait là, ça. Donc augmente la génération de puissance de mode des attaques au corps à corps. Donc quand je tape, je récupère pas mal de puissance de mode. Faut faire attention, hein, comme le premier jeu, hein, la puissance ne veut pas dire les dégâts des mods, ça veut dire genre la pouvoir les réutiliser. C'est comme les genre les MP par exemple, j'ai envie de dire. Ils ont toujours fait ça. Après, je sais pas si si dans la version anglaise c'est la même chose, mais c'est vrai que c'est ça peut mener à une erreur de penser que c'est de l'attaque en fait. En disant puissance. Il y a beaucoup de gens partout. Enfin, honnêtement, on peut faire des trains de gens. Ah, c'est là, c'est ça. Bague de chasseur. Ah, mais on l'a déjà. Ah, merde, je suis tombé. Ah, j'ai eu 375. Ça, c'est grâce à mon amulette, je pense. Oh là là. Tu me gaves. Voilà. On prend vraiment pas beaucoup de dégâts. Où est-ce qu'on va? On va aller là. On va faire encore une petite heure, hein, de se balader. Je régène un peu quand je fais des dégâts aussi, mais j'ai genre 2 ou 3 points dessus, pas beaucoup. Je crois que j'atteins même pas 1% en converti en vie. Oh, coffre. Donc bon. Mais c'est vrai que ça aussi je pourrais le monter. Eh, c'est pas mal, hein, avec cette relique là, l'argent. Honnêtement, ça va très vite. Faut aider tous les gens, faut aider tous les jeunes ou pas? Putain, ça fait mal, hein. Ça fait bien mal. Il y a un gros truc qui arrive. Ah, il y a énormément de gens ici. Je crois qu'il y a encore un combat contre quelque chose. Oh, le gosse. Très bien. Attention, ils sont ici. Oh. Ah, il y a énormément de gens qui se baladent. Ah, encore un enfant. Envahisseur, on approche. Ouais, faut peut-être tous les trouver, hein.
Ouais, j'ai l'impression qu'il s'arrête à chaque fois qu'il y a des ennemis. Ça va, je régène. J'ai toujours le même build avec le régène pour le moment. Donc ça se passe bien. J'aime bien mes armes, honnêtement, elles sont cool. Elles sont très très cool. Alors, faut voir les traits. Ouais, vampire. Après, j'ai eu ça aussi, peau d'écorce, réduit les dégâts subis, mais bon, c'est quand même beaucoup de choses. On va essayer d'avoir vampire pour aller au moins 1% des dégâts qu'on fait. Quoi. On régène. Ah, il y a encore un gosse là-bas. C'est pour le régène. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait deux classes. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule habilité qu'on peut pas avoir si on met la classe en deuxième. Et c'est l'habilité principale. Genre par exemple, là, je me relève si je meurs en tant que challenger. Si je mets alchimiste en premier, ben, j'aurai pas cette habilité par exemple. Mais sinon, tout le reste, les traits, ça fonctionne. Les différentes habilités, ça fonctionne. Les différents atouts, ça fonctionne. C'est top quoi. À chaque fois, faut leur parler apparemment. Donc ouais, très puissant, très puissant le fait d'avoir deux classes et tout. Vraiment sympa. Et les deux prennent des niveaux. Il y a des objets là. Non. Il était temps que ça s'arrête. Un événement ou un boss, j'en sais rien. On va voir. Ah, qu'est-ce que je kiffe ce jeu. J'adore en fait ce système d'aléatoire et tout ça. Ça garde le jeu fraîche en fait. Genre bien frais. Vous voyez ce que je veux dire? On va se reposer. Que ce soit en coop, que ce soit en solo. Alors. Ah ben ça c'est peut-être... vous avez parlé de la femme avec les bombes la dernière fois, c'est peut-être celle-là. Je sais pas, on verra. Je vais voir un peu à quoi ça ressemble. Ah, peut-être... C'est quoi ça? Non, peut-être que je connais pas ça. Oh, c'est une sorte de bûcher. Eh merde. Et voilà.
Ça, je connais pas ça. Nouvel événement pour moi. Tome. Est-ce qu'il faudrait pas se bouger le cul pour aller sauver le mec, peut-être? Ah, on va tracer vers le mec. Juste au cas où, si c'est... Oh mon dieu. Tout va bien. Est-ce que je me suis bloqué, honnêtement? Je crois que je me suis bloqué, je crois pas que je suis censé être là. Ouais, je crois pas que je suis censé être là. Regardez, c'est tout. Ouais, on est censé mourir en fait ici. Ah, attendez. Non, putain, il y a un mur invisible. Il y a un mur invisible. Bon, ben... Hop. Intéressant. Intéressant. Faudrait que je trouve un nouveau job aussi, enfin faudrait que j'achète tout simplement les objets là pour les différentes classes. Et merde. Faudrait que j'augmente un autre job en fait. Ça vous faites chier, vous faites mal en plus. Aouh! Voilà. Mais ouais. Que j'ai autre chose à augmenter parce que maintenant il est au max. Bon, on va pas descendre, on va pas se jeter. Mais sérieux, à chaque fois il me touche quoi, c'est ouf. Bon, on est peut-être pas chronométré. J'en sais rien en fait si on est chronométré. En tout cas, si jamais on était chronométré, je pense que c'est mort. Ah! C'est peut-être pour aller récupérer l'objet. Vous avez vu cette eau? Comme elle est belle? Et ouais. Et ça, ça demande des PC aussi puissants pour les faire tourner. Ça me fait rire, moi. Hop. Hop. Je suis tombé. J'ai pas vu qu'il y avait encore un gouffre. Ok, cool. Ah, c'est nul ce système. Enfin, cet endroit. Bon, on va essayer de tracer sans combattre, parce que sinon c'est trop long. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, il faudrait un autre job que j'augmente. Je sais pas quoi prendre. Si je joue en duo, c'est vrai que ça serait bien de challenger. Qu'est-ce que je pourrais faire? Après, moi j'aimerais bien faire un pur dégât. Mais après c'est un peu dangereux. Dans le sens où je peux me faire one shot facilement. C'était par où le...
rappelle plus où il faut aller. Ah, c'est un coffre. C'était par là pour descendre, je crois. Ouais, donc peut-être. Moi, je voulais faire chasseur à la base. Enfin, pour deuxième. Genre gros DPS et tout ça. Je sais pas si ça peut être pas mal. Sinon, je sais pas trop. Faudrait voir. J'aimerais bien en fait garder le. L'alchimiste. Dans ma concoction, du coup, pour, peut-être médic. Ah, pas à port luisant, je l'avais déjà. Alors, pour partir, on fait. Ah, attends, là, il y a un passage. Là. Ah, c'est pas là où on va combattre un port. Ouais, je crois que c'est là. Ouais, ça va être compliqué. Mon Dieu, la tornade le poursuit. Peut-être une grosse connerie ce que j'ai fait. Mon Dieu! Non, je suis tombé. Dégâts points faibles. Ouais, c'est un peu une connerie le coup de la tornade. Parce que la tornade le poursuit du coup. Mais bon, c'est pas grave. Ok, je pense qu'on est bon. Donc ouais, ça c'est un événement, je l'avais déjà fait. Là il y a un objet normalement. Enfin, je crois qu'il peut avoir des objets. Bon, j'ai rien dit. J'étais en train de me poser la question aussi, il n'y a pas d'émote dans le deuxième jeu? Alors qu'il en existe dans le premier? C'est un peu étrange. Ah, j'ai plus de régène, d'objets pour le régène. Il faudrait que je m'en achète. Le problème, c'est que ça coûte cher. Je crois que c'est 150 là. J'ai un petit avantage avec le fusil à pompe sur eux, c'est que je les repousse en fait. Mon Dieu. Oh merde. Ah, le ralentissement est cool. Et il m'a foutu dans le feu ce truc. Vous avez vu, ça c'est le.
le buff aléatoire que j'ai quand j'utilise une relique. Là on arrive près de l'événement je crois. Par contre je suis pas très prêt pour l'événement. Pas de régène, je peux pas retomber par terre, c'est quoi ça? Bague de chaman Fae. Ça c'est nouveau. Augmente la régénération de santé de 0,25 et la vitesse d'utilisation de la relique de 25%. Qu'est-ce que ça pourrait... La relation de santé... La vitesse d'utilisation de la relique, c'est pas mal ça. Pas mal. Je vais voir, ça me donne un régène du coup. Naturel ou pas? Ouais, ça me donne un régène naturel aussi. Intéressant. Très intéressant. Il y a un système où ça récupère tout par terre automatiquement. Attends, je peux me re... Ça c'est un événement. Ça c'est pas un événement. On va faire le tour s'il y a des objets. Très bien. Ah bah je vais rester avec cette amulette pendant un petit moment hein, perso. Parce que là on est déjà à 2700. Ouais, non. On va rester avec cette amulette pendant un petit moment pour l'argent. Parce que ça va très vite. Il y a tellement d'augmentations à faire que... Bon, on est prêt. On va les aider. On va l'aider. Faut le protéger. Sautez-moi de là, s'il vous plaît. Tous ensemble, combat. Ok, faut pas que ils arrivent avec le truc quoi. Putain! Personne électrocute mon mec. Le pire c'est que j'imagine que si jamais il y en a un qui touche, let's go. Non. Peau d'ombre. C'est bon. Merci. Dieu tout proche, merci. Oh la vache. Il m'aurait brûlé vif. J'en sais fichtre rien. J'aurais juste dit ce que j'ai vu. Ce qu'on a tous vu. Et puis, il les voit aussi. Je sais qu'il les voit, mais... Ils se comportent comme si de rien n'était. Ils ont même essayé de me tuer pour l'avoir fait remarquer. Les créatures, je les vois partout. Pas plus grandes qu'un drame, mais pleines d'ailes et de dents. Elles se nourrissent de nous, je vous dis. Les autres, ils les voient aussi. Parfois, ils les combattent,
Ou ils les évitent pendant qu'un drame gît à leurs pieds, et puis après, ils ne font rien. Ils poursuivent leur route comme si rien ne s'était passé. Et quand je leur dis, quand je refuse de nier la vérité, de taire mes certitudes pour les aider, vous comprenez, bien... vous avez vu ce qu'ils font. Ah, vraiment, oh Dieu merci, cela explique pourquoi vous n'essayez pas de me tuer. Oh, c'est une saleté de malédiction, je vous le dis. Parfois je me dis que je voudrais tout oublier comme eux. Faire semblant que tout va bien. Il y en a d'autres. J'en connaissais une, mais je ne l'ai pas vue depuis des semaines. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois savoir ce qui arrive à tous ceux d'entre nous qui parlent de ce que... de ce que nous savons. Enfin, ce ne sera pas pire qu'ici, dans tous les cas. Merci encore. Et faites attention à vous. Les drânes n'aiment pas trop les étrangers. Souvenir des drânes. Par contre, ça me stresse un peu que le feu, en fait, se soit allumé. Mais bon, le mec, il a encore en vie, donc c'est bon, quoi. Normalement, on a gagné. Ouais, c'est un peu chaud. Encore eux qu'on avait l'électrique. Ça permet de toucher sans vraiment viser. Du coup, ça les repousse et tout. Donc, ça aide énormément. On va regarder s'il n'y a pas autre chose. Ah, coffre. Changement d'arme. Genre quoi, t'as plus de vitesse en changement d'arme? On va regarder ce qu'on a récupéré. Vitesse de changement d'arme, ah ouais. D'accord. On a eu, augmente l'énergie maximum de 20 et réduit la charge équipée de 5%. Ouais, on est à 72. Pas ça, 67. C'est pas mal si vous pouvez genre être en léger, en super léger. Ça peut être intéressant. Et on a eu un nouveau... Donc augmente la résistance aux dégâts élémentaires. Ouh, ça c'est bon ça. Ça c'est pas mal. La résistance aux dégâts élémentaires. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Ne restez pas là. Après je me demande si on n'aurait pas pu, genre du coup, le laisser mourir et gagner autre chose. Il y a souvent des choses comme ça dans le jeu. Ah, coffre. On est à combien d'argent? 3300. Comment je suis content. Après c'est vrai que pour faire de l'argent, le mode aventure est quand même vraiment bien. Bah qu'est-ce qu'on fait du coup? On va quitter le donjon, on va voir un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Et peut-être qu'on va mettre fin à notre épisode, parce que là on a fait un donjon et tout ça. Honnêtement, c'est sympa de jouer une heure comme ça de temps en temps. Genre, on fait de l'aventure et puis voilà. Ceux qui aiment regarder, c'est cool. Il y a un enfant là. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir marquer ma carte? Aïe, 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 aïe. On va essayer de tracer parce qu'il doit y avoir plein de gens dans les rues. Voilà. On va faire ça pour courir un tout petit peu plus vite. Pendant 15 secondes. Ok, l'enfant il est à gauche. On va devoir se faire tout le monde. Personne qui me tire dessus en haut. Voilà. À chaque fois que je tape, je récupère pas mal de mods, c'est vraiment bien. Ok, je pense qu'on est potentiellement bon. Non.
La vache! T'as pas bugué, toi? Tu bouges pas du tout. Je crois que t'as bugué. Fais voir si on se repose. Le jeu a des petits problèmes, hein, comme ça. Le jeu a des petits problèmes. J'en ai eu pas mal aussi en stream. Enfin, pas mal. J'en ai eu quelques-uns, on va dire, en stream. Où les ennemis aiment bien se mettre dans les murs. Déjà, j'ai remarqué. Les ennemis aiment bien passer à travers les murs et rester plantés dedans. Et eux, ils peuvent vous toucher et vous pouvez pas les tuer du tout. Je crois qu'il est... Il est buggé. On peut changer de zone complètement, peut-être. On va voir. Désolé pour le temps de chargement. Mais bon. Bon, en tout cas, on a fait un nouvel événement que je connaissais pas. C'est cool. On va bien finir celui-là avec les enfants, par contre. Ouais, donc là... Là, là, là. Et on parlait en stream des zones de départ. Donc apparemment, on peut même commencer. Alors, il y a une zone, c'est... Ok, maintenant, il n'y est plus. Il y a une zone, c'est une jungle. Et apparemment, les gens peuvent commencer par la jungle aussi, en fait. Il y a plein... Toutes les zones, c'est un peu aléatoire, quoi. Les gens peuvent... avoir une ou une autre zone, c'est vraiment sympa. Mais quand même, il y a une grande inégalité. Genre ici, l'Osmon là, c'est honnêtement fun parce que c'est pas extrêmement grand. Enfin, c'est grand, si, mais on n'est pas perdu dans le sens où c'est pas un grand désert et tout ça. Et, c'est pour ça que je dis désert. Et il y a plein d'événements en fait, les uns après les autres et tout. Il y a plein d'événements, en fait, les uns après les autres. Et ça marche bien, du coup. Ça marche bien parce que vous pouvez récupérer énormément d'anneaux. C'est bien ce que je disais. Hein. C'est bien ce que je disais. Elle est en train de coudre ce que je suis en train de faire, en fait. Et c'est vraiment fun, en fait, de se stuffer ici. On peut te parler ou pas ? Joie et bénédiction. Avoir ramené cet enfant. Je vous remercie. Je n'ai pas grand chose à donner. Mais tenez, prenez ceci. Récupération. Je me demande si... On n'entend plus rien. Vous voyez, notre monde a été déchiré. Mais je vais le rapiécer comme il faut. Une couture à la fois, comme cette couverture. Ce monde s'est perdu tout seul. Il a perdu de vue ce qui était important. Le changement était inévitable. Mais ce changement est arrivé plus vite que quiconque ne pouvait le prévoir. Et maintenant qu'il est là, il faut l'achever. Avant qu'il nous achève. Chaque fil, chaque pièce contribue à terminer le changement. Jusqu'à ce qu'il soit achevé et que nous nous retrouvions. Même vous, maintenant que vous êtes là, vous avez votre propre pièce à coudre. Vous devez trouver le responsable. Celui qui a amené le changement et fait se fusionner nos mondes. Elle a tellement pas une voix d'une vieille femme, d'une femme âgée. Honnêtement, c'est une voix d'une personne qui a 20 ans ou 15 ans. Je voulais juste finir par rapport à l'histoire. Genre, notre monde en fait est vachement bien pour récupérer plein d'anneaux et tout ça. On l'a même vu quand j'ai fait le monde aventure et tout.
Mais par contre, le désert est une catastrophe. En fait, le désert est tellement horrible, parce que c'est tellement grand et vaste et tout. On met énormément de temps, en fait, à se stuffer. Et la difficulté est quand même assez élevée du jeu, en général. Et du coup, on passe un mauvais moment. Genre, si vous tombez sur le désert en premier, c'est une raison pour quitter le jeu. Pour arrêter d'y jouer. Pour dire que c'est de la merde. Tellement que le désert est vraiment chiant. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Alors que toutes les autres zones, elles sont vachement fun à jouer. Mais le désert est une catastrophe. Et je la trouve vraiment dure, en fait, pour une zone de début. Et on devrait pas pouvoir commencer, en fait, par le désert. Un être d'une grande puissance. Coudre deux mondes entiers ensemble, il faut l'être forcément, vous ne pensez pas? J'aimerais vous en dire plus, mon cœur. Mais cet individu ne s'est pas beaucoup montré au Dran. Aussi, je ne l'ai pas vu. J'imagine, cela dit, que quelqu'un qui passe d'un monde à l'autre, comme vous, aura moins de mal à trouver un tel être. Maintenez votre cap. Je suis certaine que vous trouverez ce que vous cherchez. Ça marche. Oh, avant de partir, j'ai quelque chose à vous montrer. Le patchwork et la vie de ce monde. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, il me semble. Et que vous le sachiez ou non, vous avez activement contribué à son achèvement. Lorsque vous aidez les drames, que vous affrontez leurs tourmenteurs, chaque acte est une pièce de cette couverture. Elle est à moitié terminée, à l'heure actuelle. Et vous en êtes autant responsable que moi, peut-être même plus. Je voulais partager ma joie avec vous, mon cœur. Alors tenez, un petit quelque chose en gage de ma reconnaissance. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, mon enfant. Je voulais simplement que vous le sachiez. Je vous en prie, mon cœur. Au revoir. Sympa. Sympa. Je me demande du coup, est-ce que c'est pas leur système pour vous dire qu'il y a différents événements en fait dans le monde. Et une fois que tout est rempli, ça veut dire que vous avez tout fait. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ça? Bon, en tout cas, on a eu récupéré plein de trucs. Alors, fais voir, on a... Le cœur cousu n'accorde pas de soins standards. L'utilisation annule le drain d'énergie et permet aux esquives de vous soigner de 15 de santé. 0,25. J'ai rien compris. Accorde pas de soins standards, l'utilisation annule le drain d'énergie. Genre, on perd plus d'énergie, j'imagine. On va voir si on utilise... Genre là ça soigne. Ah ouais. Il y a un effet. C'est quoi ça? Ah mais ça c'est mon truc aléatoire. Ouais. Ah c'est pas pour moi, c'est pour un truc agile en fait. Hein. Mais intéressant. Très intéressant. Donc du coup on a fini ça. Ok, on a fini ça. On peut changer d'endroit. Ou alors on s'arrête peut-être à faire une petite heure là. Ouais, on a encore des trucs à faire. On a encore plein de trucs à faire. Ouais, on va retourner au service. On continuera la prochaine fois en solo. Comment tu finiras ça la prochaine fois. Du coup, moi, qu'est-ce que je pourrais... Je vais voir, qu'est-ce qu'on a eu. Ah oui, des traits aussi. Oui, on a eu un nouveau trait. Récupération, meilleure régénération d'énergie. Chasser. Décorce. Attitude. C'est quoi qu'on a eu? Peau d'ombre, on vient de l'avoir. C'est quoi, c'est récupération? Améliore la régénération d'énergie. Ah, genre 3 par seconde, 6 par seconde, ok, ça marche. Pas mal ça, si on est rapide. Si on est léger en fait. Encore vous. Qu'est-ce que vous m'apportez? Ouais, j'ai encore plein de trucs à fabriquer. Dégagez 3600. Je suis occupé. Besoin de quelque chose? Pour les armes. On peut... Le marteau qui est cher à augmenter. Il y a ça aussi qui est cher à augmenter. On peut le monter à 5. C'est honnêtement pas perdu parce que c'est une bonne arme. Ça aussi.
5-5, il faut des cristaux luménites là. Et après ça on le laisse à 10. Ah, on est retombé à 1500. Vous avez vu l'argent comment ça part vite? C'est ouf quoi, c'est incroyable. Incroyable ce jeu. Je crois que c'est elle qui donne médic. Tout va bien? Fais-moi signe. Je crois que c'est ça médic. À la prochaine. Broche de médecin. On va voir. Bon, il faut payer encore, je crois. C'est ça le problème, je crois qu'il faut encore payer pour débloquer médecin. Bon. Après, médecin alchimiste, ça peut être pas mal pour support, j'imagine. Il n'aime pas que je vous aide. Ouais, c'est ça. Et il faut 1000. Voilà. Et il faut 1000. Il y a les simulacres, j'en trouve. Revoir. J'en ai trouvé qu'un seul de simulacre, je crois. Alors que les gens en trouvent plus. Genre, j'ai 15, que 4 reliques. Moi. Les reliques de base, c'est 3. Ouais, il me faut encore de l'argent. Cool. Il me faut de l'argent. Mais peut-être que ouais, je vais faire médecin alchimiste, ça peut être marrant. Je sais pas pourquoi j'arrête pas d'aller dans le... Bref. Tiens, ça a augmenté. Les effets curatifs s'appliquent à tous les alliés 15 mètres. Accordent une résistance supplémentaire de 15. Les alliés affectés par penacés obtiennent une résistance au malus affliction de 10. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mais ouais, il y a énormément de classes, honnêtement, pour le jeu. C'est cool. Et les classes sont vraiment sympathiques, quoi. Elles sont très très différentes les unes des autres. Et avec tous les différents anneaux et les... Putain, on en a beaucoup. Hein. Tous les différents anneaux, les armes, les amulettes et tout, vous pouvez vraiment faire plus ou moins ce que vous voulez avec votre build. Donc ouais, c'est une très très bonne chose, ça. Mais ouais, on va s'arrêter là. Ben, on a bien bossé. On a fait un nouvel événement. On a récupéré pas mal de traits, du coup. Pas mal de traits. Je crois qu'on a eu qu'un seul anneau, je crois. Mais pas mal de traits. Vraiment cool, vraiment cool, vraiment sympa. Et j'ai pu tester l'amulette, ça donne beaucoup d'argent. Et on est encore pauvre, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.